Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Spareka. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment détartrer votre machine Nespresso délonguée avec du vinaigre blanc. Alors, nous allons tout d'abord retirer le réservoir de la machine. Nous allons remplir un tiers de ce réservoir par le vinaigre blanc de la marque Fix by Me que vous pouvez retrouver sur notre site internet spareka.fr. Et les deux tiers restants, nous les remplirons par de l'eau. Le tout, c'est pour éviter que la machine soit agressée par le vinaigre blanc. Alors maintenant, nous allons compléter le réservoir par de l'eau claire. Alors maintenant, mon réservoir est plein. Je vais le remettre sur la machine. Je reste appuyé 5 secondes sur les deux boutons et les voyants vont clignoter. Maintenant, je vais appuyer sur la touche du grand café pour vider entièrement le réservoir. Vu que nous avons un petit récipient, nous sommes obligés d'arrêter le détartrage pour vider la tasse et répéter le processus. Alors, la phase suivante sera de remplir deux réservoirs d'eau claire pour effacer tout résidu de vinaigre blanc dans la machine. Et là, nous relançons jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Alors nous avons donc fini le détartrage de notre machine. Nous l'avons aussi rincé avec deux réservoirs d'eau claire. N'hésitez pas aussi à nettoyer les accessoires de votre machine, tels que le réservoir, le porte-tasse et le réservoir à capsule avec un chiffon ou une éponge. Il est important de savoir que vous devez entretenir votre machine tous les 3 mois, ceci en fonction de votre utilisation. Ceci est important dans le sens où il permet de conserver votre machine plus longtemps. Il permet aussi d'éviter de futures pannes telles que les problèmes d'écoulement. Alors nous avons montré comment détartrer votre machine Nespresso délonguée avec du vinaigre blanc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en bas. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne YouTube.